اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Permettez-moi aussi d'accueillir nos sœurs et frères africains des autres comités nationaux africains qui suivent nos visioconférences. Vous êtes les bienvenus. Le Maroc est profondément africain et ça nous fait vraiment plaisir de travailler avec vous. Je dois aussi saluer nos amis de France et de Belgique qui nous suivent. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la lutte contre le dopage, les compléments alimentaires, les boissons énergétiques. Et comme d'habitude, on fait appel aux professionnels, aux experts pour nous éclairer sur cette question. J'ai le plaisir, 1, 2, 3, j'y arrive, le privilège de vous présenter Dr. Maria Windy. Dr. Maria, marhaba bik. Merci. Je vous rappelle que vous êtes médecin et spécialiste en pharmacotoxicologie et vous êtes à la division de médecine du sport au ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport. Et vous êtes aussi médecin du sport. Merci pour votre présence et merci d'avoir répondu présente avec nous. Nous avons aussi Dr. Rim Sbar. Dr. Rim, marhaba bik. Merci. Je rappelle que vous êtes agent d'éducation antidopage formé par l'AMA et vous êtes médecin dentiste à la division de médecine du sport au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Exactement. Merci pour votre présence. Et on a avec nous aussi Madame Kadi Kanouté Tounkara. J'ai bien prononcé ? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Et vous êtes en direct avec nous de Paris. Oui, c'est exact. Merci. Je rappelle que vous êtes éducatrice principale et membre du comité directeur pour le programme des athlètes du CIO, membre du comité des athlètes de la CNOA, et vous êtes ancienne olympiane. Vous avez participé aux Jeux olympiques de 2008 en basket avec l'équipe nationale du Mali. Oui, c'est ça. Et même vous avez fait de l'éducation et de la sensibilisation autour des problématiques du dopage, votre cheval de bataille. Tout à fait. Je suis présidente de la commission éducation de l'AMA. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir accepté de participer avec nous à cette visioconférence. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qu'on a besoin de savoir sur cette problématique, essentiellement au Maroc, et puis avec vous, Kadi, à l'international. Moi, je voudrais poser ma première question. Elle est très simple. Comment on peut définir le dopage? C'est quoi exactement le dopage? Peut-être, docteur Maria Windy, si vous pourriez nous éclairer sur cette question. D'accord. Donc, bonjour. Merci, monsieur Hassan. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier le comité olympique de nous avoir associés à cette visioconférence et en même temps d'avoir choisi ce thème qui est très intéressant, donc le thème du dopage. Le thème du dopage, c'est un thème qui est d'actualité, c'est un thème qui est intéressant et pertinent. Et pourquoi? Parce que le dopage est actuellement très médiatisé ces dernières années. Il est très médiatisé et en même temps, il est en perpétuel changement. Nous assistons chaque jour, chaque année, à de nouvelles méthodes, de nouvelles substances, de nouvelles techniques auxquelles s'adressent les sportifs pour être dopés. Il est intéressant dans le sens où le dopage a une répercussion sur la santé du sportif. Il est intéressant aussi parce qu'il y a plusieurs intervenants dans ce domaine. La lutte anti-dopage, c'est une lutte qui est un peu difficile puisqu'il y a plusieurs secteurs. Donc, la question, à première vue, avant de définir le dopage, on dit pourquoi on se dope? Pourquoi le sportif va vers le dopage? Possible pour chercher de la performance. Possible parce qu'il y a plus de sélection. Possible qu'il recherche un record mondial. Possible pour être médiatisé. Possible qu'il est poussé par d'autres, tels que son entraîneur, son médecin, ses amis. Donc, définir le dopage déjà, on va vers le verbe « se doper ». Se doper qui, selon la langue anglaise, en 1903, « se doper to dope » signifie que prendre un excitant. Mais définir le dopage, il faut le définir de façon légale. Donc, la définition du dopage, selon le code mondial, le dopage, il est défini comme étant une
ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2 du Code mondial. Si on veut l'interpréter en arabe, بالنسبه للناس اللي عندنا بالعربيه شنو هو الدوباج التعريف ديالو هي انتهاك قانون مكافحه المنشطات هذا القانون فيه دي ريغل الا انتهكنا شي واحد من هاد لي ريغل كندخلوا في استعمال المنشطات يمكننا او ميم طون اون بو لو ريديفينير كوم ايتون لا ريكور او لو ريكور ا اون سوبستانس اي او une méthode potentiellement dangereuse pour la santé des athlètes et ou susceptible d'accroître leur performance à l'entraînement ou en compétition. يعني المنشطات يستخدم مختلف الوسائل هذه الوسائل كتقدر تكون كيميائية كتقدر تكون طبيعية كتقدر تكون فيزيولوجية هذه المنشطات كتنبه الجهاز العصبي المركزي أو كتزيد في رد الفعل أو الانعكاس لغرض تحسين الاداء ولا تخفيف الاحساس بالالم يعني كنبغيو نحسوا من داك نقصوا من الالم اللي كيجيونا اولا كنرفعوا الكفاءه النفسيه او الجسديه دونك جو بونس كو جيتي ان بو كلير بور لا ديفينيسيون سي فولي بلوس دو ديتاي يا با دو سوسي وي وي دكتور ماريا مو جي اون كيسيون توجور دوردر جينيرال كومون لا لوت كونتر لو دوباج سورغانيز شي نو او ماروك D'accord. Donc, concernant l'organisation du dopage ou bien la réglementation du dopage au niveau du Maroc, avant de passer vers le Maroc, nous avons sur l'international. Le dopage, il est régi sous une convention qu'on appelle la Convention de l'UNESCO anti-dopage. Elle représente le cadre juridique. Donc, au niveau... Donc, cette convention, elle a le pouvoir d'être... Pour les gouvernements, elle peut les inciter, par exemple, à créer leur propre loi au niveau de leur pays ou bien à créer leur organisation nationale. Si on veut interpréter, il y a ni le nahiyat douliya ou le qawanin douliya, qui est une tifaqiyya, tifaqiyya de l'UNESCO, qui est un état canonique. وكاين كذلك المدونه العالميه لمكافحه المنشطات لو كود مونديال سا سي كونط اون فو بارلي اون انترناسيونال مي سي اون فو بارلي سور لو بلان ناسيونال il faut dire que le Maroc en 2009 il a ratifié la convention et il est devenu signataire de là il est devenu adopteur du code donc quand on ratifie une convention on est obligé donc de suivre tout ce que dit la convention de pas donc être à la respecter le code mondial. Je veux annoncer aussi qu'au niveau du Maroc en 2007, il y a eu adoption d'une loi, la loi 1297 relative à la lutte contre le dopage avec ses différents décrets. يعني هنا حنا في المغرب صادقنا على واحد الاتفاقيه اللي كتسمى هذه الاتفاقيه ديال اليونسكو لمحاربه المنشطات واعتمدنا المدونه اللي هي لو كود مونديال انتي دوباج المغرب في نفس الوقت دار قانون ديالو ديال مكافحه المنشطات اللي خرج في 2017 وان شاء الله غادي يطبق اون اتوندون كيلي كرياسيون دو لاجونس ناسيونال انتي دوباج Donc, il y a le Comité national antidopage qui est sponsorisé de la part du ministère de la Jeunesse et Sport qui fait l'action de cette ONAD pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup, docteur Maria. Une question très simple, je me mets à la place d'un sportif, par exemple. Comment concrètement se passent les contrôles antidopage? Peut-être, docteur Sebar, vous pourriez nous éclairer sur ça puisque vous êtes à l'ORAD? Oui, bien sûr. Bonjour, c'est Hassan. Je voudrais d'abord commencer par dire que pour tout ce qui est lutte contre le dopage au niveau national, c'est le Comité olympique marocain qui est en charge. Il a pour mission de mener les contrôles antidopage en et hors compétition. Ces missions-là, elles ont été déléguées à l'ORAD, qui est l'Organisation régionale antidopage Afrique Zone 1, qui est pour l'instant au Maroc. Donc, l'ORAD, c'est l'autorité de prélèvement. Comment on fait cette procédure de contrôle antidopage? C'est soit le contrôle il se fait en compétition, soit il se fait hors compétition. Donc, c'est deux façons différentes. En compétition, ça sera au moment des événements nationaux ou internationaux.
Le contrôle va se faire en 5 étapes, sélectionner, notifier, la collecte, les analyses, jusqu'à la gestion des résultats. Pour la sélection, en général, quand on est en compétition, c'est soit elle va se faire en tirage au sort, choix, il y a comme on dit, donc c'est un tirage au sort qui se fait, soit aléatoire. Elle se fait aléatoire, exactement, elle est aléatoire, soit elle se fait par classement, donc c'est le podium, on choisit les podiums et on les contrôle. Soit c'est des sportifs ciblés, pour une raison qu'on nous demande d'aller contrôler tel ou tel sportif. D'accord. Docteur Rim, juste une question. Oui. Est-ce que c'est la fédération qui organise ce championnat national ou international qui fait appel à vous, ou est-ce que vous arrivez comme ça à l'improviste, ma kete el mouhed ou kete el dirou le contrôle? Non, non, quand il s'agit de compétition, ça c'est entre l'organisation responsable d'autorité et la fédération ou les autorités qui s'occupent de l'événement. Nous, à travers l'ORAD, nous avons des ordres de mission pour aller faire un contrôle durant cet événement. D'accord, d'accord. Et il y a aussi les compétitions qui sont hors, les contrôles qui se font hors compétition. Et ça, c'est des contrôles inopinés. C'est à ce moment-là où on peut partir sans prévenir, sans dire à quelle heure ni quel jour on va venir. Ça, c'est les contrôles qui se font inopinés. Docteur, en général, ces contrôles-là, oui. Oui, docteur Sabar, c'est les contrôles inopinés, les que dirons. واش كديرهم اللي كيكون الاتليت مثلا في النادي ديالو كيدرب ولا كيكون في واحد التربص مع الفريق الوطني ديالو مع الجامعه ديالو Exactement. Pour les contrôles inopinés, c'est nous qui cherchons à travers vous, bien sûr, le comité qui nous informe, ou nous, l'ORAD, on suit soi-disant les athlètes, on va les suivre pour voir où est-ce qu'ils sont, soit en les entraînements, soit pendant la concentration, et nous, on y va sans les prévenir et on fait les contrôles. Et très souvent, ça se passe avant les compétitions. Sinon, il y a aussi le cas des hauts niveaux, les athlètes qui sont ciblés, les sportifs ciblés, qui doivent avoir une localisation. Pour ceux qui ont la localisation, c'est un autre thème. On va parler de la localisation. C'est à ce moment-là qu'on rentre au système. Ils sont localisés. Ils doivent nous donner des informations sur leur localisation. Une heure par jour, ils ont de 5 heures du matin à 11 heures du soir. Et nous, à travers la localisation qu'on voit, on va aller soit chez eux à la maison, là où ils vont d'habitude. Donc, la petite heure, ils sont où? Et nous, on va les voir là-bas pour faire le contrôle. Ça, c'est pour la localisation, c'est pour les groupes cibles. D'accord, très bien. Alors, maintenant, je me mets toujours à la place d'un sportif, soit dirigeant, soit athlète. Il y a un contrôle qui a été effectué. Comment vous donnez le résultat et à qui vous donnez le résultat? Nous, après le contrôle, donc il y a l'échantillon, la collecte de l'échantillon, l'analyse de l'échantillon, on l'envoie au laboratoire. Normalement, notre travail, nous, en tant qu'ACD, il est fini là. Après, le résultat, c'est entre 2-3 semaines maximum. Si c'est négatif, normalement, on ne dit rien, on n'envoie rien. S'il y a un souci et on parle là de résultats atypiques, de résultats d'analyse anormales, parce que jusqu'à là, ce n'est pas un contrôle qui est positif. Et on prévient d'abord le sportif parce que c'est lui le concerné. On prévient la fédération et l'organisme qui est d'autorité ici au Maroc pour le national. Et alors, dans le cas où c'est positif, est-ce qu'il y a des sanctions? Et s'il y a des sanctions, lesquelles et qui prend ces sanctions? D'accord. Donc, avant de parler des sanctions, je pense qu'il faut parler d'abord des violations. D'accord. Je pense qu'il faut parler des violations antidopage avant de parler des sanctions. C'est parce que la sanction, elle vient après avoir fait une violation des règles antidopage. Est-ce que vous pourriez D'accord. nous les rappeler, docteur Sebar? Oui, bien sûr. Donc, pour le dopage, comme il a été défini avant, donc c'est une ou plusieurs violations des règles antidopage. Nous avons deux types de violations. Nous avons les violations analytiques et une seule violation analytique. Les autres violations, c'est des violations non analytiques. Pour la violation analytique, la première, c'est la
2.1, c'est la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par l'athlète. Donc, quand l'athlète vient pour faire l'échantillon, au niveau de laboratoire, on trouve des substances dopantes. D'accord ? C'est automatiquement une sanction quand c'est positif. On prévient l'athlète et on attend, c'est après la gestion des résultats qu'on voit comment le produit a été pris, les circonstances, est-ce qu'il était intentionnel. En tout cas, la sanction ne vient qu'après vraiment beaucoup de démarches, beaucoup d'enquêtes. La sanction, elle ne se donne pas sur le champ. On attend de voir le sportif, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une gestion des résultats. D'accord ? Ensuite, on passe, il y a l'usage ou la tentative d'usage par l'athlète d'une substance ou d'une méthode interdite. Ça veut dire que l'athlète veut utiliser une substance interdite ou on nous a transmis, on nous a dit que cet athlète veut prendre ou il utilise une méthode interdite. Ça aussi, c'est une violation des règles antidopage. Nous avons aussi se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou refuser de se soumettre au contrôle. Ça veut dire que l'athlète ou le sportif, il se faufile, il ne veut pas faire le contrôle. Donc, soit qu'il ne veut pas signer la notification pour venir se faire contrôler, soit qu'il trouve un moyen pour s'éclipser, soit qu'il trouve un prétexte pour ne pas venir faire son contrôle. Et là, c'est strictement interdit et c'est considéré comme une violation aussi. Il y a aussi le manquement aux obligations en matière de localisation. Comme je dis au début, la localisation, elle est très importante. Elle concerne surtout les groupes cibles qui sont soumis au contrôle. Donc, chaque 3 mois, ils doivent absolument donner des informations sur leur localisation. De 5h à 11h, je ne vais pas me répéter. Sinon, il y a toute combinaison de 3 contrôles manqués ou de 3 combinaisons de contrôles manqués ou de 3 manquements à l'information, tu es automatiquement sanctionné. D'accord ? Dernièrement, une plateforme a été mise à la disposition des sportifs. C'est la nouvelle plateforme Athlète Centrale qui est très facile à utiliser. Grâce à cette plateforme, l'athlète peut se connecter directement et installer ses informations. Elle a été mise en vigueur, je pense, en novembre 2019. D'accord. Ensuite, nous avons la falsification et la tentative de falsification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'athlète ou quelqu'un de son entourage qui est au niveau de la station, il essaye de perturber le travail de la TD. Ça veut dire que il intimide le témoin potentiel, il ne laisse pas la CD faire son travail correctement, il donne des renseignements qui sont frauduleux, il donne un certificat qui est falsifié ou parfois même en donnant une fausse identité. C'est pour ça qu'on insiste pour avoir une identité avec une photo de l'athlète. D'accord ? Ça aussi, c'est une violation. Nous avons la 6e violation qui est la possession d'une substance ou d'une méthode interdite, c'est-à-dire qu'on arrive, on trouve chez le sportif, même s'il n'utilise pas cette substance, on va trouver chez lui soit une substance, soit une méthode au niveau de son casier, au niveau de sa chambre, au niveau de ses affaires. Et là aussi, c'est strictement interdit. Ensuite, nous avons le trafic et le tentative de trafic. Là, on passe à ça devient plus commercial. Donc, c'est la vente, c'est venir vendre pour les athlètes, que ce soit par les encadrants ou entre sportifs eux-mêmes. Ensuite, nous avons l'administration ou la tentative d'administration. C'est qu'on administre aux sportifs des substances interdites, soit les substances peuvent être administrées intentionnellement. D'accord ? Donc, ça aussi… C'est une interdiction. Parfois, le sportif, il est au courant et il se laisse faire. Parfois, il n'est même pas au courant. Il y a eu plein de cas qui sont arrivés comme ça. Et il y a aussi deux violations qui sont assez nouvelles.
c'est la complicité et l'association interdite. La complicité, c'est quoi? C'est assister et aider le sportif de la part d'une autre personne, soit à se fournir, soit à utiliser la méthode, de cette façon-là. Donc, tu l'aides, tu contribues à donner aussi la substance interdite. Et pour l'association interdite, qui est être en contact direct avec une personne qui a été sanctionnée. Par exemple, je vais parler d'un sportif qui a eu une sanction où il a été arrêté pendant 4 ans, ou je sais pas, un entraîneur, un médecin, il a eu des problèmes avec le club ou la fédération. Le sportif n'a pas le droit entre guillemets de rester trop longtemps avec cette personne. Il doit pas beaucoup la côtoyer. Il doit pas s'entraîner avec elle. Il doit pas pour ne pas être influencé. Il y a aussi les sanctions pénales qui se font, mais qui ont toujours un lien avec le dopage. Ces sanctions pénales, c'est surtout le trafic. C'est être avec des personnes de l'extérieur qui n'ont rien à voir peut-être avec le sport, mais qui vont venir au club ou chez toi à la maison pour te fournir une substance ou des drogues, je sais pas, une substance interdite en tout cas. Donc ça, c'est les règles, c'est les violations des règles antidopage. Et pour les sanctions, on va en venir là pour parler un peu des sanctions. On va dire que Avant de parler des sanctions, si vous m'autorisez à vous interrompre deux petites secondes, vous avez parlé des violations. Parfois, l'athlète, il peut être entre guillemets dopé malgré lui parce que c'est quelqu'un d'autre qui lui a administré. Je voudrais partager avec vous une remarque d'un des participants à notre visioconférence, c'est Sdeq Akouch. Je trouve qu'elle est intéressante. Il dit: la production animale destinée à l'alimentation humaine intègre des produits chimiques hormonaux pour avoir une grande quantité de viande, et de même dans l'agriculture. Tout est devenu non biologique. À partir de ce constat, vous ne voyez pas que la lutte antidopage commence à partir de notre alimentation qui cherche la performance. Qu'est-ce qu'on peut répondre quand, par exemple, un athlète va manger de la viande, par exemple, il veut beaucoup de protéines, et que ces protéines sont contaminées avec des produits dopants pour avoir, je dirais, beaucoup plus de un développement beaucoup plus important de l'animal. À vrai dire, on va dire que c'est un sujet qui est assez difficile à gérer parce que en général, nous, on fait assez attention à ce genre de Est-ce que oui. Ça s'est déjà produit, par exemple? Est-ce que vous avez des athlètes qui ont été contrôlés positifs parce que les produits dopants venaient de leur alimentation? Est-ce que ça s'est déjà produit? Nous, personnellement, moi, j'en ai pas vu, mais il y a eu quelques cas où il y a eu des viandes qui ont été contaminées et ils ont fait des recherches et il y a eu toujours des recherches à travers des viandes qui ont été contaminées et des sportifs. Effectivement, on prend ces produits-là malheureusement, le résultat, il est là. Une fois tu as ingéré un produit, tu es contrôlé positif, tu seras sanctionné. Ouais. Docteur, si vous me permettez, je voudrais faire réagir Kadi sur cette question. Kadi, toi qui es aussi éducatrice et tu fais beaucoup de travail auprès des jeunes ou des moins jeunes athlètes, est-ce que ce cas est rencontré d'athlètes qui se font doper à travers leur alimentation sans le savoir? Oui. Kadi, on ne t'entend pas. Peut-être qu'il y a un petit souci de micro. Alors, en attendant que Kadi règle le souci de micro, je voudrais revenir vers Dr Sepal. Dans ce cas-là, quelles sont les sanctions? Et vous étiez en train de nous parler des sanctions, justement. Oui, je voulais justement pour ce qui est de sanctions. Donc chaque violation, elle est punissable à différents degrés. C'est-à-dire que on peut pas venir et dire que cette violation-là aura cette sanction ou toute cette période de sanction. Ça dépend des circonstances dans lesquelles la violation elle a été commise et aussi l'intention. Donc c'est une notion qui est très importante, qui est centrale pour l'appréciation des circonstances
par l'autorité. Donc, est-ce que la prise de cette substance, elle était intentionnelle ou non? C'est pour ça qu'il faut toujours avertir le sportif et attendre à ce qu'il donne des preuves. Parce que très souvent, le sportif, il va venir, c'est comme une audience qui va se faire, et là, il doit argumenter et dire exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce qu'il n'a pas fait attention? Est-ce qu'il n'a même pas su qu'il prenait cette substance? Donc, on attend de voir. Après, on peut confirmer et dire est-ce que vraiment il mérite cette sanction ou l'alléger. D'accord? Oui. Si vous permettez, je vois que Kadi est de retour avec nous. J'aimerais bien qu'on l'entende sur cette question de l'athlète qui, entre guillemets, se dope malgré lui à travers l'alimentation, qui aujourd'hui est une alimentation pour l'enrichir. On va mettre beaucoup de produits, comme a dit notre participant. Apparemment, Kadi, le micro, il fonctionne toujours pas. Alors, Kadi, il n'y a pas de souci, on reviendra vers toi dès que c'est réglé. Docteur Sba, on peut reprendre peut-être sur cette question de sanction. Oui, donc comme j'ai dit, oui, c'est qui parle? Je pense que Docteur Windy veut dire quelque chose. Oui, voilà, d'accord. Je voulais intervenir. Si vous permettez, Monsieur Fkak, oui, je voulais rebondir sur la question de l'alimentation contaminée. C'est vrai qu'on a eu des cas de dopage à travers de l'alimentation qui est contaminée, notamment les viandes. Il y a certaines molécules qui sont utilisées donc par certaines agences d'agriculture pour les viandes, notamment le clenbutérol. Le clenbutérol qui est un anabolisant et qui a été trouvé sur certaines viandes au niveau de certains pays. Donc il y a eu contamination de la viande et il y a eu des athlètes qui ont été testés positifs à cette molécule. Certes, donc au niveau de l'agence mondiale, ça a été discuté et ils ont pris la peine d'aller voir que, par exemple, au niveau de certains pays, ces viandes, ils ont enquêté sur ces viandes et il y a eu des analyses qui ont été faites sur ces viandes. Effectivement, elles ont été testées positives à ce clenbutérol. Il y a eu des pays qui ont été, étiquetés comme étant avoir de la viande qui est contaminée. Donc, un athlète qui passe à travers ces pays, je pense que c'est le Guatemala, le Mexique, je ne me rappelle pas du troisième pays, mais une fois l'athlète, il peut dire comme quoi il a séjourné ou bien il est passé par ces pays, on peut voir donc comment ça va être la sanction un peu allégée. Et des fois, quand la concentration elle est très, très minime, donc prouvant comme quoi l'athlète il l'a prise malgré lui, donc il peut être, la sanction peut être revue. Voilà. Alors, merci. Merci beaucoup, Dr Maria. Dr Rim, je voudrais revenir sur les sanctions, les violations. C'est très bien tout ça. Mais pour que les athlètes sache de quoi il s'agit. Est-ce que vous menez des campagnes de sensibilisation au niveau national auprès des fédérations et auprès des sportifs? Oui, bien sûr. Très, très bonne question. C'est justement, moi, en tant qu'agent d'éducation, c'est justement notre travail avec le comité olympique et l'ORAD de faire des sensibilisations et la lutte antidopage. Nous avons justement avec le comité olympique préparé un projet. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Nous avons un projet national concernant la lutte antidopage que nous avons présenté au comité olympique et sur lequel nous allons travailler durant toute cette année. Nous avons. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce projet? Ça consiste en quoi exactement? Oui, c'est un projet où nous allons être en contact avec toutes les fédérations. On va essayer de les sensibiliser, soit à travers des sensibilisations en compétition ou hors compétition. J'aimerais bien qu'on poste quelques slides sur ça. D'accord.
D'accord. Donc, pour les sensibilisations pendant les compétitions, elles se font, c'est le style de stand que nous mettons, et d'ailleurs, c'est partout pareil, à travers des outils utilisés par l'AMA. Ces outils-là, on les propose au niveau des sensibilisations en compétition. C'est des stands où nous, en tant qu'agents formés pour ça, nous sommes en contact direct avec les sportifs. Et là, nous commençons à leur expliquer exactement ce qui est le dopage, les dangers du dopage, tout ce qui est droit, tout ce qui est devoir du sportif. Et on essaie aussi de mettre le sportif et son entourage à l'aise et qu'ils essayent un peu de nous poser des questions sur leur aussi inquiétude envers le dopage. Nous avons beaucoup de brochures sur les dangers du dopage. Nous avons aussi des brochures sur les AUT, qui sont les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Nous avons aussi des brochures sur les localisations. Nous en avons aussi sur la santé, sur c'est quoi le dopage, donc le contrôle, comment il se fait. Et là, nous passons aussi par un quiz. Le quiz, c'est un jeu interactif. Non, il y a avant ça le quiz. C'est un jeu interactif que nous utilisons. Il est fait par il est fait par une dizaine de questions que nous proposons aux sportifs. Et à travers ces questions-là, il va avoir une généralité sur tout ce qui est dopage. Et bien sûr, nous avons les sensibilisations que nous faisons en forme de formation. Ça, c'est hors compétition. D'accord? Donc, ça sera des formations comme des workshops ou des présentations. C'est comme le style de cours où on vient nous-mêmes chez la fédération, soit au sein d'un centre, soit on essaye de se retrouver quelque part, où on prend un maximum de sportifs. Et là, on fait la présentation et on leur parle plus en détail de chaque thème. Et je voudrais rapidement parler d'une plateforme qui est très, très intéressante. Ma collègue va en parler plus en détail, mais c'est la plateforme Adèle. Donc, si possible, on montre la plateforme Adèle, cette plateforme qui est un grand pas pour nous vers l'éducation antidopage. Elle propose des cours et des ressources d'apprentissage en ligne. Ces cours sont comme le programme d'apprentissage sur le thème alpha qu'on propose aux athlètes. Il y a aussi des cours pour les entraîneurs. Il y a aussi des mallettes pour les sportifs, pour les médecins. Et il y a un guide qui est très intéressant pour les parents. Donc, cette plateforme Adèle, elle regroupe tous les cours. Elle est très intéressante, elle est simple, elle est gratuite. Donc, il faut juste se connecter et faire un mot de passe et commencer le module. Cette plateforme, à la fin, tu as comme un petit test. Quand tu finis tous les cours, tu finis par avoir un certificat qui est signé par l'Agence mondiale antidopage. Et tu peux, oui. Et donc, cette plateforme, elle est mise en ligne par l'Agence mondiale antidopage. Mondiale antidopage. Elle est gratuite, elle est facile, elle est accessible à tout public. Tout le monde peut y accéder et elle donne des informations, toutes les informations sur le dopage. Donc, elle est très, très intéressante. En tout cas, pour tous les participants avec nous à cette visioconférence, on va mettre toutes les informations sur le site du Comité olympique, comme ça ils peuvent les avoir et ils peuvent aller voir sur cette plateforme. Et également, avec votre autorisation, mesdames, on va mettre en ligne ou sur notre site
vos présentations, comme ça, les informations très riches que vous avez partagées avec les participants peuvent être récupérées par eux et comme ça, ils peuvent les travailler tranquillement et être opposés. Alors, juste, je voudrais revenir vers Kadi, qui est à nouveau avec nous. J'espère que ton micro marche. Kadi, toi qui es responsable de l'éducation au niveau international, je voudrais te poser deux questions. Quelles sont les campagnes de sensibilisation que tu mènes au niveau international? Et si tu, peux nous dire, je vais y arriver aujourd'hui, par rapport à ton parcours à toi aussi de sportif de haut niveau, comment tu as été confronté à cette question du dopage? Ah, évidemment, la relation micro est coupée entre la France et le Maroc. Je parle bien de la relation micro, mais les autres relations continuent. Alors, si je peux me permettre, je voudrais revenir vers vous, docteur Maria. On a parlé, de la violation de dopage, comment s'est structuré l'antidopage au Maroc. On a parlé aussi de comment ça s'organise le contrôle ici à travers l'ORAD. Maintenant, je voudrais qu'on va vers une question qui est fondamentale. Quels sont les dangers du dopage? Un sportif qui prend des produits dopants et les, je dirais, exposé à ces dangers. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces dangers? Oui, monsieur Hassan, mais je pense avant qu'on ne puisse passer sur le danger des dopages, j'aimerais bien parler de la liste des interdictions avant d'arriver vers les conséquences du dopage et parler en quelques mots sur l'AUT. Donc, concernant la liste des interdictions, donc, c'est une liste ou ce qu'on appelle en arabe le mawad mahdoura, limnou'a lina kariyadin stimulon. Donc, c'est une liste que normalement l'Agence mondiale elle est responsable de la préparer chaque année. Et chaque année, cette liste, normalement, elle est publiée en octobre et elle ne rentre en vigueur qu'en janvier de l'année d'après. C'est-à-dire cette liste, docteur Maria, où est-ce qu'on peut la trouver? Voilà, la liste des interdictions, elle est donc retrouvée au niveau du site de l'Agence mondiale antidopage. Donc, on tape liste des interdictions et on peut y accéder. Donc, cette liste, pour nos athlètes marocains, c'est une liste qui te dit que tu es un liste qui te dit que tu es un liste qui te dit que tu ou cette liste, normalement, il y a des substances ou bien des médicaments ou bien des produits qui sont interdits soit en compétition, il y a une forte monafessa, ou là hors compétition, il y a une kharij monafessa, qu'il y a une liste en même temps que la compétition ou flair la compétition. Donc, les mawad qui classent ou qui trattent les mouvements mondiaux de l'Agence mondiale antidopage ont des substances, elles ont le critère qui est la dénomination commerciale internationale, qui est la DCI. شنو هي هاد لا دي سي اي ملي كنبغيو نقلبوا على هاد المواد كنقلبوا عليهم بلا دي سي الا كانوا دي ميديكامون شنو هي دي سي اي غنعطي واحد المثال جو دوني ان اكزامبل جو برون ليكزامبل ديال لو ميديكامون لو دوليبران لو دوليبران اي لو كلارادول سي لو ميم ميديكامون مي ايزون دي نو كي سون ديفيرون دونك لو نو كوميرسيال اي لي ديفيرون دوليبران كلارادول اي لي ديفيرون جو ريفوا مون سون كي ريفيان فير مو جو فوالا. Donc, doliprane et claradol, comme j'avais dit, c'est un même médicament. Il y a doliprane ou claradol, neuf doigts. Mais le principe qui est connu, il y a le mède délicat connu, ou le paracétamol. Claradol et doliprane, c'est le paracétamol. Le paracétamol ou la DCI, qui a l'Agence mondiale, bech a été l'aduïa. Il y a la DCI, qui a été l'isme kimiaï. كما قلنا هاد اللائحة هادي كتكون ديما كتخرج كل سنة في الشهر ديال أكتوبر دونك لو بوا دوكتور اللي بيبلي اي ان رونتر ان فيغور يعني ما كتشرح في ما كنخدموا بها حتى لو موا دو جانفي دابري يعني هي شهر يناير ديال السنة اللي من بعد عاد يمكن يطبقوا هاد المواد اللي فيها اللي كيخصنا نعرفوا لانها ملي كتخرج هاد اللائحة كتقدر في نفس الوقت في وسط العام تقدر تخرج مادة أخرى صاف لهاد اللائحة هادي
كما انه كاين شي مواد اللي كيقدروا يكونوا في اللائحه ومن بعد كنحيدهم اون لي روتير دونك كونت اون تروف كونت اون في بلوزيور ايتود اي اون تروف كي نون با دامباكت سور لو دوباج او بيان سور لا بيرفورمانس اون لي روتير دونك كما قلنا كاين لي سوبستانس اللي كيكونوا هما ممنوعين في اون كومبيتيسيون يعني محظوره غير في المنافسات اللي كان نكلاسيوهم من لو اس 6 لو اس 8 لي ستيمولون اللي كنسميوهم من المنبهات هاد المنبهات اللي بحال دابا لا كوكايين كي اون دروغ اللي معروفه كاين لي فيدرين هادي ماده اللي كتقدر تلقاها في بزاف ديال الادويه كون بو روتروفي او نيفو دو سيرتان ميديكامون نوتامون دي ميديكامون دو لا غريب دونك نو زاتليت دو فير اتونسيون اتونسيون ا تو ميديكامون كيل برين دونك افون دو بروندر نيمبورت كيل ميديكامون اي فو دوموندي كونساي دونك هاد لي فيدرين كتقدر تاخذ نتا غير دواء على ود الرواح كتجي تكونترولا دونك في لا كومبيتيسيون كيلقاوك بوزيتيف تو ني با اوكو دونك voilà j'ai ce sont les alliés du direct docteur Maria ce sont les alliés du direct rassurez-vous ok alors pas de souci si je peux me permettre de vous interrompre deux secondes vous parlez justement de voir avec le médecin nous avons avec nous docteur Fatima Abou Ali qui est chef de la division médecine du sport au ministère de la culture de la jeunesse et des sports et justement elle donne ce conseil il faut passer par le médecin de la fédération. Le échéant, la division de médecine du sport du ministère accompagne les fédérations n'ayant pas de staff médical. Et ça, c'est une excellente proposition du docteur Abou Ali. Soit vous avez un médecin à la fédération, il faut qu'il assiste vos athlètes et vos sportifs par rapport à ça. Soit il y a la division de médecine du sport du ministère qui peut vous accompagner. Et je pense que c'est une excellente proposition. Et d'ailleurs, à l'occasion, je salue docteur Fatima Abou Ali. Je la salue aussi. Je vous redonne la parole. D'accord. Donc, c'est un message que Dr Abou Ali a passé, donc je la remercie. S'il y a une chose à faire passer, c'est aux fédérations surtout. N'hésitez pas à faire appel à des médecins, parce qu'il y a certains athlètes, normalement, qui sont piégés, parce qu'ils n'ont pas recours à l'information. Donc, vous avez parlé de la liste. Désolé de vous interrompre. Vous avez parlé de la liste et vous avez parlé aussi des AUT. Ça veut dire quoi les AUT? Est-ce que vous pourriez nous donner des explications? D'accord. Donc AUT, ça veut dire donc c'est une abréviation LIA, autorisation d'usage thérapeutique. Je n'ai pas autorisation d'usage thérapeutique. Normalement, on va donner un exemple pour que nos athlètes puissent comprendre. Je suis un athlète, je tombe malade, il y a un riadi, on dit le haqq ntaḥ mraḍ. Khassni nistaʿmel waḥd al-madda, je dois utiliser waḥd la substance. Cette substance peut être sur la liste des interdictions. Hadi al-madda tqdar tkun fdik al-laiḥa al-maḥḍūra. Idan shnu khassni ndir ana ka riadi, ana darūri li ma nistaʿmel dik al-madda. ولكن كيخصني واحد الاستثناء او لاش كنقولوا العلاج الاستثنائي للرياضيين هذه واحد الوثيقه كيخصو يعرف الرياضي او لو سبورتيف دو سافوا كوم كوا اي اون دووا دو دوموندي سيت اوتوريزاسيون دوزاج او ثيرابوتيك دونك سولون كو لو سبورتيف اي لي دونك دو نيفو ناسيونال او انترناسيونال دونك اي سوا اي دووا سادريسي سي لي او نيفو ناسيونال بار اكزومبل او نيفو دو ماروك اي دووا سادريسي او كنوم كي فا لورينتي جو بونس فير لوراد si il est sur un niveau international il s'adresse à sa fédération internationale yani nta ka riyadi kunti katamel al kunti kat عندك الرياضه وطنيه كتلتج للكوميتي اولمبيك كنتي sur le plan international راه كتلتج للفيدراسيون انترناسيونال ديالك دونك هذيك لا يوتي اللي هي الاستثناء العلاجي شنو سي اون دوموند كاين واحد لو فورمولير كيخصو يعمرو هذاك الرياضي ولكن ماشي الرياضي كيعمرو حنا باقيين كنقولوا خصو يرجع للطبيب ديال الفريق اولا الطبيب المعالج ديالو دونك يدوا ريفونير فير سون ميدسان بور لي رامبلير سو فورمولير كون تي فو دوموندي سيت اوتوريزاسيون دوزاج ثيرابوتيك سيت اوتوريزاسيون دوزاج ثيرابوتيك شنو هذيك لا دوموند اي لي فيت سور ان فورمولير كنعمرو شنو المرض اللي عند هاد الرياضي كنطلبوا وثائق ديال العلاج تقدر تكون ان بيلون راديولوجيك يقدر يكون ان بيلون بيولوجيك يعني كي جوستيفي سا مالادي بور يوتيليزي سو ميديكامون هذاك لوزاج او ثيرابوتيك دونك كيتحال على واحد لو كوميتي اللي هو كوميتي دوتوريزاسيون دوزاج ثيرابوتيك اللي كيكون في اغلبيه الاحيان مكون من اطباء اللي كيدرسوا الحاله ديال هذا السيد هذا
واش خصو يستعمل هذيك الماده est-ce qu'il doit utiliser cette matière ou pas donc mais qu'est-ce qu'il demande ce comité il va demander comme quoi est-ce qu'il n'y a pas alternance d'une autre substance qui peut être utilisée au lieu de celle-ci pour que le sportif soit traité يعني انت كرياضي هذاك لو كوميتي غادي يقلب واش كاينه نقدروا نستعملوا ماده اخرى بالنسبه للمرض اللي عندك او لا بليسور اللي عندك فعوض هذيك الماده المحظوره ثانيا خصهم يشوفوا هذيك الماده اللي غتستعمل واش الفا رونتري دون لاميليوراسيون دو لا بيرفورمانس يعني واش غتحسن الاداء ديال هذاك اللاعب ولا لا وثالثا كنشوفوا اصلا واش هذيك الماده غادي نعطيها لذاك الرياضي باش تخبي لي اولا الفا ماسكي لوتيليزاسيون دون اوتر سوبستانس كي ايتي يوتيليزي داكور دونك لوزاج ثيرابوتيك كيما قلت لك لو فورمولير غادي يعمرو للطبيب غادي يدفعوا له خصنا نعرفوا في لوزاج ثيرابوتيك نورمالمون ملي كنبغي نطلب هاد لوتوريزاسيون دوزاج ثيرابوتيك خصني نطلبها قبل ما ندخل لا كومبيتيسيون ملي كنبغي نستعمل الدواء كاين ان ديلي نورمالمون كنقولوا دو 30 جور مي حنا كنقولوا لو بلو بريكوسيمون بوسيبل خصو تطلب له هاد الوثيقه باش تجوستيفي له انه راه استعمل هذاك الدواء دي فوا كاينه كا اكسيبسيونيل Dans les exceptions, l'autorisation d'usage thérapeutique rétroactive. Le sportif, il n'a pas eu le temps pour demander à l'ouatika la compétition. Soit que c'était une urgence, il y a 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 une urgence. Le sportif, il a toujours le droit de redemander ça, son autorisation. دونك لوتوريزاسيون دوزاج ثيرابوتيك كاين كتقدر تمشي من داك شهرين 6 شهور حتى العام تتقدر صالحه اللي كيخصو يعرف ثاني لو سبورتيف ان ديك لوتوريزاسيون ديالو واش صالحه غير سول واش صالحه غير اون ناسيونال واش اي سورا ركونو كونت يي اون كومبيتيسيون انترناسيونال دونك توجور اي دو ريفونير فير سون اورغانيزاسيون ناسيونال دونك سي سكو جو فولي دير سور لوزاج لوتوريزاسيون دوزاج ثيرابوتيك ميرسي بوكو دكتور ماريا دونك بور ريزومي Si un athlète suit un traitement médical, il peut, avec le médecin de la fédération, faire une demande d'autorisation à usage thérapeutique de ces médicaments pour qu'il soit protégé, surtout s'il participe à une compétition internationale. Voilà. C'est bien noté. Alors, je vois que Kadi est de retour avec nous. Et comme nous sommes en direct, on va à nouveau tester si son micro fonctionne. Kadi, marhaba bik. Merci, vous m'entendez cette fois-ci? Ah, alléluia! Alléluia, marhaba! Les aléas du direct. Kadi, ben bien sûr. Oui. Kadi, tu as été athlète de haut niveau, tu as participé aux Jeux Olympiques en 2008, tu as été confronté toi-même à cette problématique du dopage. Et aujourd'hui, tu fais de la sensibilisation. Moi, je reposerai mes deux questions. Quel est ton parcours et qu'est-ce que ça t'a appris en quelque sorte sur cette question de dopage? Et aujourd'hui, quelle sensibilisation tu mets en place au niveau international? Je vous remercie pour cette question et je tiens à féliciter mes consoeurs qui ont vraiment bien rempli le débat ici. Et je remercie le Comité olympique du Maroc pour cette plateforme très importante qui est celle du dopage, la question du dopage au cœur du mouvement sportif. Donc pour ça, vraiment merci, et merci de donner une place conséquente aux femmes aussi dans cette discussion. Donc moi, j'étais athlète de haut niveau pendant 20 ans, j'ai fait du basket, j'ai été aux Jeux Olympiques, et j'ai été confrontée, je vais dire, pour la première fois à la question du dopage lors des Jeux, quand j'ai été contrôlée. Donc, à savoir que, bon, je viens d'un sport, le basket, qui n'est pas un sport à haut risque au niveau du dopage, qui est un sport donc d'équipe. On va dire que je ne suis pas aussi exposée comme ma consoeur le disait, les athlètes qui sont dans les groupes cibles, qui vont être beaucoup d'athlètes au niveau du Maroc, au niveau de l'athlétisme, qui font des sports de fond, ou alors des sports individuels, ou des sports où il faut vraiment... Il faut durer dans l'effort, donc ça va être des sports qui sont plus à risque. Toi, Kadi, pour revenir à toi, Kadi, comment tu as été confrontée à ça et qu'est-ce que tu as retenu comme, comme leçon de cette confrontation, justement? Oui, j'y viens. Et donc, j'ai été confrontée à ça de la plus sévère des manières, c'est-à-dire à travers le test. Et donc, tout ce que l'ARMA essaie de mettre en place aujourd'hui, c'est un monde où tous les sportifs peuvent évoluer dans un environnement sans dopage et idéalement avec le principe que la
première, si vous voulez, le premier contact avec un athlète, avec le dopage ou l'antidopage devrait être à travers l'éducation et non à travers le test. Donc pour moi, c'était une expérience un peu traumatisante, on va dire, parce que ben, des athlètes qui m'écoutent, vous savez ce que c'est, hein, donner une partie de vous-même devant une personne étrangère, vous vous posez 10 000 questions. Moi, j'ai pensé tous les jeux en me disant « et si, et si, et si ». Et si j'avais pris des choses sans le savoir, et si j'avais, je sais pas, j'avais commis une erreur sans le savoir, je fais un sport d'équipe, je sanctionnais toute mon équipe, c'est la honte pour mon pays, c'était notre première participation pour le Mali au niveau du basket aux Jeux Olympiques, donc j'ai passé tous les Jeux à me poser des questions. Et donc ça m'a causé, on va dire, une frustration. Et je pense que tous les athlètes qui sont confrontés à ça une première fois, il y a comme une frustration. D'abord, on se dit, bah, pourquoi moi, hein? Pourquoi moi, parmi tant d'athlètes? Pourquoi c'est moi qu'on teste? Est-ce qu'on me soupçonne? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, alors, il y a tout ça. Et à travers ça, je me suis dit que... Allô? Oui, Kadi, si je peux m'autoriser de t'interrompre deux secondes. Donc, oui. Si j'ai bien compris, pour toi, en 2008, cette expérience était traumatisante. Oui. Est-ce que, parce que tu n'as pas été sensibilisé à cette question de contrôle dopage? Tout à fait. Je n'avais pas été sensibilisée et c'est le cas de beaucoup d'athlètes. Alors, et j'ai envie de dire 2020, bravo au Maroc. En 2020, est-ce que c'est toujours le cas en 2020? Alors, il y a toujours un manque de sensibilisation? Alors, j'y viens. Alors, j'y viens. Donc, ce qui est extraordinaire, donc, c'est que les choses ont quand même très bien évolué depuis ça. Et je vais dire je vais dire des mesures significatives que l'AMA a prises avec la nouvelle édition du code antidopage et de mettre en place aussi un standard international pour l'éducation. Donc, qui va paraître dans la nouvelle version du code antidopage. Donc, je rappelle que l'AMA est le régulateur mondial de la lutte contre le dopage et met en place un code antidopage qui est, si vous voulez, adopté par tous les signataires qui sont tous les comités olympiques, toutes les fédérations internationales, plus de 650 organisations antidopage à travers le monde qui signent donc ce code et qui doivent se tenir donc aux énoncés de ce code. Et ce qui est extraordinaire cette année, c'est que donc il y a un nouveau standard pour l'antidopage, justement pour non seulement voilà, l'éducation antidopage était jusque-là obligatoire, hein, selon le code article 18, c'est obligatoire pour toute organisation antidopage d'avoir un programme d'éducation. Ce que le standard emmène, c'est vraiment une harmonisation. Voilà, au niveau de toutes les organisations et l'obligation aussi au niveau des organisations de mettre en place un programme d'éducation antidopage. Donc, normalement, et ce standard part avec beaucoup de principes, dont l'un est qu'un adulte, un athlète élite, sa rencontre avec le monde de l'antidopage devrait être à travers l'éducation et non à travers le test pour éviter les cas comme moi. Donc, j'espère qu'en 2020 et pour le futur, les choses changent. Et idéalement, c'est vraiment qu'un athlète puisse avoir, dès le jeune âge, une éducation et puis tout au long de son parcours, une éducation antidopage. Donc, à travers ça, donc, il y a le standard, mais il y a aussi beaucoup d'outils importants. Je crois que Dr Rim les a énoncés et je vois que le Maroc adopte vraiment à la lettre toutes les recommandations donc, de l'AMA en matière d'éducation. Puisqu'elle a mentionné, bien entendu, le programme d'apprentissage Alpha qui est pour les athlètes, qui a aussi donc des programmes pour les coachs, les entraîneurs, parce que qu'est-ce qu'on se rencontre? Alors, tout ce que vous allez voir, donc coach, les parents, les médecins, les universitaires, le passeport biologique, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il faut que l'athlète soit éduqué, mais pas que l'athlète. D'accord? Donc, tout l'entourage de l'athlète aussi doit être sensibilisé parce que toutes ces personnes-là vont avoir une influence directe sur la prise de décision de l'athlète au moment où il peut être vulnérable à se doper. Donc, si vous êtes dans le chat, quels peuvent être, par exemple, les moments de vulnérabilité selon vous où un athlète peut vouloir se doper? Vous pouvez peut-être répondre si vous êtes dans le chat. Mais pour vous dire que, aussi chose importante, je crois qu'il faut rappeler la raison pour laquelle je n'étais pas aussi sensibilisée et puis je ne me sentais pas concernée, si vous voulez, à ce moment-là, par le dopage, c'est que la plupart, la majorité des athlètes, et je le répète, ne se dopent pas. Donc, si vous êtes un athlète et que vous dites, vous n'y connaissez rien, et que vous étiez comme moi il y a 10 ans, ne vous inquiétez pas, parce que la plupart des athlètes ne se dopent pas. En revanche, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas susceptibles.
d'accord, que l'on ne peut pas avoir des moments de vulnérabilité. Ça, c'est possible pour tout athlète. Et ces moments-là, personne n'a répondu, je ne vois pas dans le chat en tout cas. Mais ça peut être, voilà, à des moments importants de votre carrière où vous allez changer de catégorie, par exemple. Vous passez de junior à senior. À un moment où on se blesse et on veut revenir plus vite parce qu'on est frustré de ne pas pouvoir reprendre la compétition. Ça peut être à un moment où... Ou un athlète, ce qu'on voit beaucoup chez nous, hein, moi j'appelle ça le dopage économique, où on veut gagner de l'argent à tout prix avec son sport parce qu'on a toute une famille à nourrir, parce qu'on a une pression de la société pour réussir, parce qu'on dit c'est le moyen de gagner de l'argent. En tout cas, il faut savoir que ces moments, ils peuvent être là et la prévention, elle est là pour ça. Pour vraiment pouvoir dissuader l'athlète à travers une éducation avec des valeurs sur comment arriver à ce moment-là à prendre la bonne décision qui n'est pas de compromettre sa vie et sa carrière. Kadi, j'aimerais te poser une question. Tu as dit que les athlètes ne se dopent pas, tant mieux, j'en suis ravi. La majorité, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des pourcentages, par exemple, la question peut aussi être adressée à Dr Sepa, est-ce qu'il y a des pourcentages d'athlètes qui ont été dopés, par exemple, sur une année, concrètement? Alors, la prévalence est aux alentours de 13%. Donc, vous voyez que la large majorité, quand on prend tout sport confondu, la large majorité des athlètes ne se dopent pas. Ça, c'est important de le rappeler parce que je pense que ce qu'on voit dans les médias dernièrement, c'est des cas ciblés, c'est des cas très médiatiques, c'est des cas voilà, qui remettent en question vraiment la nature du sport, la nature du sport de haut niveau. Il y a des sports qui sont plus à risque, ça c'est sûr, mais la majorité des athlètes, ça on le sait, ne se dopent pas, ne rentrent pas dans le sport avec ça en tête. Tant mieux. Kadi, une dernière question par rapport à cette campagne de sensibilisation, d'éducation. Tu as parlé beaucoup d'éducation. Est-ce que, à ton avis, maintenant que tu es, je dirais, responsable de ce secteur, est-ce qu'il y a suffisamment de campagnes de sensibilisation et d'éducation de nos jeunes sportifs pour ne pas toucher au dopage? Et on va voir les dangers tout à l'heure avec Dr Maria. Oui, donc moi, je dirige un groupe d'experts qui, en fait, fait des recommandations à l'éducation département de l'AMA. Donc, c'est un groupe très homogène d'experts mondiaux et on peut dire que ce que la période du Covid, la pandémie, a permis de mettre en lumière, c'est vraiment d'autres façons d'éduquer, mais il y a énormément de sensibilisations qui sont faites à travers le monde par toutes les organisations. Parce que, comme je le disais, le code stipulait déjà qu'il y a une obligation au niveau des organisations anti-dopage d'avoir un programme d'éducation en place. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et pendant cette période-là, on s'est rendu compte que c'est une période qui est propice aussi à l'éducation, puisque les athlètes sont à la maison ou sont bloqués étaient confinés pendant des mois. Donc, on s'est dit que donc, la sensibilisation en ligne, ça, c'est possible. Pour faire ça, l'AMA a mis en place, donc, notre commission a érigé donc, guidelines, je vais essayer de le dire en français, des recommandations en fait pour les organisations antidopage pour pouvoir faire de l'éducation à distance. Donc un peu, ça peut être à travers donc des séances comme celle qu'on fait aujourd'hui où on est en live, en streaming, mais ça peut être aussi d'autres séances. Ça peut être de la radio, ça peut être voilà des spots, différentes manières de sensibiliser les athlètes. Mais il y a énormément de choses qui sont faites. Ce que recommande aussi l'AMA, c'est aussi d'adapter ces séances là vraiment à la culture et à la réalité et le contexte de chaque pays. Donc, je pense que c'est ce que vous faites là actuellement avec le Maroc, vraiment parler aux athlètes dans leur langue. Et puis, important aussi, c'est d'avoir les athlètes au cœur de ce dispositif-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, l'une des directions que l'AMA a pris avec sa nouvelle stratégie qui est en place, c'est vraiment de mettre les athlètes au cœur de ce débat-là, de l'éducation et dans l'ensemble, au cœur de la prise de décision de l'AMA. Kadi, je saisis la balle au bon et je vais aller voir Dr Rim, qui est aussi chargé de l'éducation de nos jeunes et de nos sportifs ici au Maroc. Et Dr Rim, ma question, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur combien d'athlètes ou combien de sportifs ont été sensibilisés par l'ORAD cette année ou l'année dernière à travers, bien sûr, cette collaboration avec le Comité olympique? Oui, bien sûr, c'est Hassan. Ici au Maroc, comme on l'a dit, nous avons des fédérations qui font appel à nous à travers l'ORAD pour des sensibilisations. Nous avons aussi des fédérations. Oui. Nous avons à peu près 54 fédérations présentes au Maroc. Combien de fédérations vous avez rencontrées, par exemple, cette année ou l'année dernière ou par an? Combien de fédérations font appel à vous? Ben, je dirais une
Vraiment, on voudrait en avoir plus, mais on va dire qu'entre 10 et 15 fédérations se font sensibiliser, malheureusement, se font sensibiliser tout au long de l'année. Alors, parce que ça, c'est important. Les fédérations gèrent les adhérents, gèrent les sportifs. Donc, c'est aux fédérations de prendre contact soit avec le comité olympique, soit directement avec l'ORAD pour organiser une session de sensibilisation. C'est bien ça. Exactement. Donc nous, à travers cette visioconférence, on va espérer que les fédérations vont finir par demander à être sensibilisées. Est-ce qu'elles doivent payer quelque chose pour une session de sensibilisation de leurs adhérents, par exemple? Non, la sensibilisation, normalement, elle est faite gratuitement. Elle est gratuite, donc il suffit que la fédération... À travers le CNOM, c'est ça. Ils font une demande au CNOM et le comité olympique demande à l'ORA de sensibiliser ses fédérations. Donc, on est là pour ça, c'est notre travail. On est là, on les attend et on voudrait vraiment le comité olympique les prend en charge pour toute sensibilisation. Très bien. Alors, une dernière question, Dr Rim. Là, on était en période, je dirais, de confinement, le Covid-19. Est-ce que les contrôles, par exemple, antidopage vont se poursuivre et comment vous allez vous organiser pendant cette période? D'accord. Donc, avant de parler de la pandémie, et je voudrais juste signaler que, en gros, entre 2018-2019, nous avons eu jusqu'à 700-800 sportifs sensibilisés. Donc, quand tu regroupes tout, ça fait quand même assez un nombre assez important, mais on espère encore plus d'avantages puisque ça va rentrer dans le cadre du programme national du Comité olympique. Et après, je passerai pour parler de la pandémie et des contrôles antidopage. C'est vrai que c'est une période qui est très, très difficile. Tous les athlètes sont confinés. Nous, en tant qu'organisation, on a du mal à faire les sensibilisations et les contrôles antidopage. Mais maintenant, normalement, nous sommes autorisés à commencer les contrôles. Et l'ORAD, en tant qu'autorité de prélèvement au Maroc, elle a mis en place certaines recommandations qui sont pratiques et spéciales COVID-19 de la procédure du contrôle antidopage pour protéger aussi bien le sportif qui est pour nous important que le personnel du prélèvement. Et tout ceci en suivant bien sûr les recommandations des autorités ici au Maroc ainsi que les mesures de protection proposées par l'Agence mondiale antidopage, qui a mis en place des lignes directives telles qu'elles sont été dites par mon ami Kadi. Donc, nous avons... Oui? Non, tout à fait. Et j'allais rebondir sur ce que vous aviez dit, Dr Rim, par rapport aux fédérations. Ramener aussi au niveau des fédérations internationales, il y a certaines qui ont rendu obligatoire, par exemple, à leurs athlètes pour participer à des compétitions internationales, de passer le test alpha. Je pense que ça, c'est important parce que, comme l'avait souligné Dr Maria, on se rend compte que la lutte antidopage, c'est un travail collectif. Donc, il y a ce qui se passe au niveau national et puis il y a ce qui se passe aussi au niveau des fédérations internationales et les réglementations qui peuvent être mises en place. Et puis, je vois dans le chat, il y a ce qui se fait aussi au niveau du gouvernement pour les enfants, même au niveau des écoles, tout ce qui est sensibilisation sur les valeurs, quand on parle justement de thèmes comme l'égalité, etc., avec des enfants déjà pour commencer à aborder le sujet du dopage dès le très jeune âge. Oui, effectivement. Ici, chez nous au Maroc, on a déjà commencé la plateforme Alpha avec la plateforme Adel avec quelques fédérations. Surtout leurs sportifs qui sont de haut niveau du groupe cible, ils ont déjà eu leur certificat pour les montrer si c'est demandé au niveau de l'international. On en a eu déjà plusieurs cas. Parfait. Merci beaucoup, Dr Rim. Je voudrais revenir pour Dr Maria et j'ai deux questions. La première, c'est concernant les dangers du dopage. Je n'ai pas oublié ma question. Et la deuxième, et on va revenir peut-être un peu plus tard, mais juste pour rassurer les participants qui posent beaucoup de questions à ce sujet sur les compléments alimentaires et leur impact dans le dopage et les boissons énergisantes. Mais commençons d'abord par les dangers du dopage, Dr Maria.
Merci, Monsieur Hassan. Donc, revenons, comment dire, à nos moutons. Avant de passer vers les dangers du dopage, j'aimerais bien donc rappeler que le ministère de la Jeunesse et du Sport, il fait énormément d'efforts en concernant la sensibilisation et concernant la lutte anti-dopage. Notamment, donc, l'année dernière, nous avons eu déjà la création, il y a eu la première réunion d'une plateforme. Comme j'avais dit que la lutte anti-dopage, c'est un ensemble donc, de partenaires. Donc, il y a eu création, donc, la première réunion de la création de la plateforme au niveau du ministère de la Jeunesse et Sport, avec nos différents partenaires, tels que le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, la police et d'autres départements. Donc, comme départ de plateforme qui va aboutir donc, à plusieurs projets concernant la lutte anti-dopage. Et en ce qui concerne les conséquences sur la santé du dopage, n'oublions pas que tout produit peut avoir un impact sur la santé donc, du sportif, notamment les produits dopants. Donc l'impact, il peut être sur le plan physique, santé mentale ou bien santé sociale, à part les sanctions. Donc dans les conséquences, les sanctions, il y en a déjà, docteur Rim, elle en a parlé. دونك هناك دونك كما قلنا عواقب واضرار على الصحه كتقدر تكون على الصحه النفسيه على الصحه دونك على الذات ديالك كرياضي شنو هما هاد العواقب غناخذوا بعض المواد اللي عندها عواقب دونك اون فا بارلي دو سيرتين موليكول تيل كو باغ اكزومبل لي ستيرويد انابوليزون اي هرمون دو كروسونس اللي كيكونوا هما كنسميوهم حنا بالعربيه المواد البناءه هادو مواد كما قلنا محظوره دونك لي ستيرويد اي انابوليزون سون دي موليكول كي سون انترديت اون بيرمانونس سيتادير اون كومبيتيسيون اي اون اور كومبيتيسيون يعني فوقت المنافسة وغير المنافسة. Donc quand le sportif prend ces substances, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche une augmentation de la masse musculaire. Il peut rechercher une puissance aussi et une perte de la masse grasse. انت كرياضي ملي كتستعمل هاد المواد علاش كتقلب بغيتي تزيد اما في الحجم ديال العضلات ديالك وفي القوة وتضيع شوية من ديك المادة الدسمة. لكن كيقدروا يكونوا عندك عواقب وخيمه على الصحه ديالك شنو هما دونك لي كونسيكونس سور لو بلان سانتي اون بوت افوار دي كونسيكونس دي مالادي كارديوفاسكولير اون بوت افوار اون امبيسونس سيكسييل دونك امراض القلب والشرايين ونقدروا نكون عندنا اضطرابات على الجهاز التناسلي ديالنا بو افوار اوسي دي تروبل سور لو بلان بسيكيك تروبل دو بيرسوناليتي عندك اضطرابات في الشخصيه ديالك Comme on peut avoir avec la consommation qui est donc chronique, ni quand tu utilises des molécules de durée là, quand tu arrives à la maladie saratanée, donc les maladies cancéreuses, comme on peut avoir une mort subite, yani mort moufagée. Hada en ce qui concerne les molécules bénères, on a un schéma qui récapitule. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes tous les deux concernés par les conséquences du médicament ou bien de la substance. Donc, si vous êtes un homme, donc vous serez devant, donc vous allez perdre vos cheveux, vous aurez de la peau grasse avec de l'acné, يعني غادي يطيح لك شويه الشعر غادي يولي عندك واحد حب شباب في الذات ديالك سي vous êtes un homme vous avez un gonflement de la poitrine si vous êtes une femme vous avez donc normalement une diminution de la poitrine donc vous aurez une répercussion aussi sur le foie on peut avoir comme on a dit des cancers يعني نقدروا يكونوا عندنا سرطانات على الجهاز الكبد comme on peut avoir des troubles sur le plan كما قلنا sur le plan sexuel. Donc, بالنسبة للرجل كيقدر يكون عنده une baisse ديال le nombre de spermatozoïdes, يعني كيقدروا ينقصوا دوك الحيوانات المنوية ديالو. Comme pour la femme, elle peut avoir un trouble sur le cycle menstruel, يعني الدورة الدموية ديالها كتقدر تخربق لها. Avec un affaiblissement ديال les tendons. Donc, تيتلاشاو دوك les tendons ديال الرياضي. هذا en ce qui concerne donc المواد البناءة. إلا دزنا المادة أخرى اللي هي le PO. Donc, le PO qui est une hormone peptidique. Donc, c'est une hormone qui, quand l'athlète va l'utiliser, qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va rechercher une amélioration de l'endurance avec une augmentation ديال لي غلوبول روج يعني باش يحسن لو ترانسفير ديال الاكسجين ديالو يعني كنبغي نزيد القدره ديال التحمل ديال الذات ديالي والزياده ديال الكويرات الحمراء باش نقلي الاكسجين مالوغوزمون ايل اوسي الا دي زيفي نيفاست دونك اون بوت افوار ان انفاركتوس دو ميوكارد شنو هو الانفاركتوس يعني تقدر تجيني واحد الجلطه ديال القلب اللي تقدر تدي بالحياه ديالي
On peut avoir aussi des embolies pulmonaires, c'est-à-dire normalement c'est sur le plan pulmonaire qu'aydro donc l'arroq diali qu'aydro tsdou. On peut avoir aussi des cancers avec l'utilisation donc mawad saratania. Troisième produit qui sont les corticoïdes ou là, les glucocorticoïdes. Donc les glucocorticoïdes, ils sont donc utilisés en général pour diminuer la douleur et la fatigue. كما انا رياضي كيكون عندي الام بعد لي كومبيتيسيون الا ومن بعد الرياضه كنبغي نخفض دوك الالام والتعب ديالي مالوروزمون سي كورتيكويد اوسي نو سون با دينوي دو كونسيكونس نوتامون مور سوبيت افيك اون انسوفيزونس سورينالين افيك اون روبتور اوتاندينوز يعني موت مفاجئ كما تمزق الاوتار ديالي كوم ماتيا اخرى لي كانابي لو كانابيس القنيبيات اللي حنا عندنا مشهورين في المغرب Donc, nous, les Maghrébins, nous savons soit le joint, soit le mejoun. D'accord ? Donc, ce sont soit sous forme de pâte qu'on appelle mejoun, soit les joints qu'on fume. L'effet recherché par ces molécules, en général, ce n'est pas la performance, mais c'est pour atténuer un effet de stress, c'est-à-dire diminuer le stress et diminuer la perception de la douleur. Nous, nous avons utilisé les cannabinoïdes, donc, علاش كنقلبوا باش داك الشعور ديال الارهاق ديالنا ينقص والالم ديالنا حتى هي تنقص ونتحملوا الضغط النفسي باش ما نبقاوش نحسوا بداك لونكسيتي اللي كتجينا مع لا كومبيتيسيون اولا مع لو سبور بيان كو نورمالمون ايل سون انترديت كما قلنا دونك كوم افي نيفاس ديال هاد القنبيات عندنا هي اون ديبوندونس بسيشيك دونك اون دوفيان اديكت ا سي برودوي دونك ادمان على هاد المواد يعني ملي كنستعملها ونعاود نستعملها كنبقى نقلب عليها ديما باش نرتاح Il y a des troubles neurologiques et psychiques. Ça peut faire remonter certaines pathologies, certaines maladies psychiatriques. Ça peut être des maladies psychiatriques qui ne sont pas utilisées par les cannabinoïdes. Il y a aussi des maladies du système nerveux ou des maladies du cœur. Donc ça peut atteindre aussi bien des maladies respiratoires que des maladies cardiaques. Et avec le temps, ça peut donner aussi des cancers de poumon. Comme autre, donc on avait parlé d'un ensemble de molécules, bien sûr il y a beaucoup de molécules, il y a beaucoup d'effets donc indésirables. Si vous voulez avoir d'autres informations, donc je peux vous laisser mon mail et avoir tout ce que vous voulez comme information. Je ne sais pas, monsieur Hassan, oui? Oui, chokran bzaf, docteur Maria. En tout cas, à la présentation d'elle, qui a dit en ligne, bech kulchi les participants, ils savent d'où nous. Je voudrais te faire réagir, Kadi. Kadi, quand tu entends ces dangers, est-ce que toi qui es en relation beaucoup avec les sportifs au niveau international, est-ce que tu vois des sportifs victimes de ces dangers qui sont liés au dopage et quelle proportion à peu près? Bien sûr, je ne peux pas parler de proportion, hein. Je vais juste rappeler le principe que la plupart des sportifs quand même ne font pas ça parce que quand on voit les conséquences dramatiques, là c'était vraiment physique, mais je crois que docteur Maria a aussi précisé les conséquences sociales. Je veux dire que quand on voit un sportif, la vie d'un sportif finalement par rapport à une vie normale, elle est très courte, hein, la carrière de sportive, c'est 20 ans, mais on se dit qu'une vie bien remplie, bah, c'est bien au-delà, et qu'on peut avoir comme conséquence aussi au-delà de tout ce qui est physique, tout ce qui est moral et social qui est associé à ça, parce qu'un sportif, à un moment, va vouloir se reconvertir, et quand on traîne avec soi des suspensions de dopage ou des suspensions de manque d'intégrité et autres, c'est quelque chose qui nous poursuit toute une vie, c'est quelque chose qui est très dur de se défaire, donc moi, les cas que je vois, c'est des sportifs qui ont honte, qui ne peuvent pas se reconvertir, qui gardent cette étiquette sur eux toute leur vie, qui ont du mal à s'en détacher, qui suivent aussi leurs enfants, même après eux. C'est vraiment très, très lourd comme conséquence. Donc, quand on voit tout ça, vraiment, on se dit, bah oui, il vaut mieux vraiment éviter tout cela. Merci beaucoup, Kadi. Je voudrais revenir, docteur Rim, une question, j'ai envie de dire très directe. Vous faites beaucoup de campagnes de sensibilisation, des contrôles pour des sportifs, j'ai envie de dire, déclarés dans des équipes nationales. Qu'en est-il, par exemple, il y a des sportifs qui pratiquent dans des clubs, ils ne font pas de compétition, mais qui utilisent des produits dopants pour gagner de la masse musculaire ou pour juste leur propre performance. Et, je veux dire, ils ne trichent pas parce qu'ils ne participent pas à des compétitions, mais ils mettent leur vie en danger. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'il y a des moyens pour les toucher, ces gens-là, docteur Lim? Ben justement, ça, c'est parmi nos objectifs.
on a aussi dans notre programme de sensibiliser aussi ces sportifs, on va dire amateurs. Ils ne participent pas aux compétitions, mais comme vous avez dit, ils prennent beaucoup de produits pour la masse, pour la masse musculaire, pour la performance aussi. Donc, nous, on va essayer de voir si on peut aussi sensibiliser comme ça les clubs de sport, les jeunes qui ne font pas de compétition, mais qui sont inscrits au niveau des clubs aussi. Donc, on va voir comment on va gérer ça, soit avec le CNOM, soit directement l'ORAD qui propose ces actions-là directement au club. Merci beaucoup, docteur Rim. Alors, on a parlé du dopage, de la lutte anti-dopage. Je voudrais qu'on aille vers les compléments alimentaires. Et je commence par une question de notre ami Michel Destin, qui nous vient de la Martinique, comme quoi la visioconférence permet de franchir beaucoup de frontières. Il dit, peut-on considérer que l'usage des compléments alimentaires est assimilé à une pratique dopante ? Moi, j'aimerais bien qu'on commence sur les compléments alimentaires par cette question. Est-ce qu'on peut l'assimiler, compléments alimentaires, à produits dopants ? Docteur Maria, peut-être. Ben, effectivement, donc... il faut... Qui, merci. Voilà. Donc, effectivement, on peut assimiler donc, les compléments alimentaires à une conduite dopante. C'est-à-dire, c'est quoi une conduite dopante? C'est quand on cherche à chaque fois à utiliser un produit. Ça peut ne pas être un dopage, mais c'est une conduite. Quand je cherche à utiliser un produit ou une substance, ça, c'est une conduite dopante. Effectivement, donc, je pourrais dire que l'utilisation donc, répétée de compléments alimentaires ou de façon chronique peut être une conduite dopante. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien donc définir qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire. Donc, un complément alimentaire ou bien une supplémentation alimentaire, c'est une préparation contenant un ou plusieurs nutriments sous forme concentrée. Les compléments alimentaires, elles peuvent être sous forme donc de poudre, elles peuvent être sous forme de comprimés, elles peuvent être sous forme de boissons, et il y a des composantes à l'intérieur qui sont concentrées. De quoi, donc, quand on veut parler de compléments alimentaires, oui. Si je peux me permettre, j'adore quand vous parlez français et en même temps vous traduisez en arabe. Ah, d'accord. Et à la fois les connecter à travers le monde. Et Bien sûr. Donc, comme j'avais dit, donc, quand j'ai défini le complément alimentaire, le mélange, le khalid, les khadarikounou fichimawad, très concentré, donc, comment dire, murkaza. Quand on veut parler de complément alimentaire, qu'est-ce qu'on doit entendre par complément alimentaire? Un complément alimentaire, ça peut être des compléments vitaminiques ou bien ça peut être des minéraux. Ça peut être des compléments avec des produits actifs, c'est-à-dire des produits qui sont destinés à la minceur ou bien à être énergisants ou bien à être thermogéniques. C'est-à-dire, les compléments alimentaires, qui peuvent être des compléments vitaminés ou amlah, ou يمكن يكونوا فيهم كما كاين مواد اللي كي سون ديستيني بحال باش نهبط لا ماس غراس ديالي او لا بحال دابا نضعف. Donc la composition des compléments alimentaires qui m'a connaît peut تكون واحد الخليط, ça peut être un mélange de plantes, ça peut être des minéraux qui m'a connaît, ou ça peut être en même temps donc des vitamines, comme ça peut être des produits qui sont à destiner donc de donner certaines vertus. Donc la réglementation donc pour les compléments alimentaires au niveau du Maroc, elle est régie par un certificat d'autorisation que doit déposer le vendeur ou bien celui qui va distribuer ce complément alimentaire. Donc au niveau du ministère, c'est entre le ministère de la Santé et en même temps entre le ministère de l'Agriculture qui est représenté au niveau du Maroc
par l'ONSA, qui est l'Office national de sécurité alimentaire. Donc, il y a une circulaire qui dit qu'on croit le complément alimentaire et certaines boissons, notamment les boissons énergisantes, sera défini par le champ d'application et les modalités d'étiquetage. Donc, le complément alimentaire, le certificat d'enregistrement, le certificat de tsjil, li kayetḥat normalement bin wizarat as-sihha ou bin wizarat al-filaha. Donc, est-ce que pour le complément alimentaire, il y a des risques? Oui. Docteur Maria, si je peux me permettre, cette qadia dit les produits ou les compléments alimentaires sont un certificat ou les qui sont maintenant à travers Internet au niveau international. Ou est-ce qu'il y a des contrôles? Ben pour l'instant, donc ceux qui prennent les produits à travers Internet, c'est des produits qui sont illicites, ils sont des fois hors contrôle. Donc d'accord, ils ne sont même pas protégés. D'accord? Quand on trouve, par exemple, un endroit ou bien on détient quelqu'un qui vend donc ces produits, il peut être poursuivi selon la nouvelle loi, d'accord ? Et que, surtout, mais le risque ici, ce n'est pas le fait de le vendre. Le risque, c'est que ces produits, normalement, quand on veut l'utiliser, on les utilise pour des vertus. Donc on dit qu'ils ont, par exemple, ils peuvent donner de la performance, mais il n'y a pas de preuve. Quand on expose, qu'on croit le complément alimentaire, il a la vertu de donner la performance, il n'y a pas de preuves scientifiques et qui sont donc validées. Il y a aussi, est-ce que ces produits sont efficaces? Est-ce que ces produits sont dénués, ils sont innocuits? C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'ont pas d'impact sur la santé? Par exemple, si on en prend avec une quantité qui est très importante, il a le piège, on peut tomber dans le piège de surdosage et par conséquent avoir des problèmes de santé, de toxicité, d'effets indésirables. Yani il a dit n'a donc le mawad بواحد الكميه كي ما كنا كثيره ما عندناش حتى لا دوز دونك كنقدروا نطيحوا في افات ديال اضرار بحال ديال المنشطات. Donc, ça peut être qu'il m'a connu, c'est un premier pas vers le dopage. Je l'utilise et je le réutilise. Donc, je le cherche toujours. Comme a dit le monsieur, c'est une conduite tampon. Je suis obligée d'aller le chercher pour être apaisée. C'est possible qu'il ne me donne pas de résultats, mais dans ma tête, pour moi, il faut que j'utilise. D'accord? Donc, et il y a un risque très, très important qu'il faut savoir au niveau des compléments alimentaires, notamment ceux qui sont vendus dans le circuit illicite, c'est-à-dire informel, les mecs qui se bougent la pharmacie, mais une traçabilité, qui est le risque de la contamination. Il y a certains producteurs qui sont frauduleurs, il y a les compléments alimentaires, ils y ajoutent des produits qui sont interdits. Les kénifs, la liste des interdictions, automatiquement pour donner de l'effet. Automatiquement, si le sportif il l'utilise, il va tomber dans le piège d'être contrôlé positif. Il n'a pas comment le confirmer qu'en quoi il a été piégé, puisque le produit qu'il a pris, qui est le circuit, il est illégal. Donc quand il prend, normalement, quand on veut utiliser un produit ou bien un complément alimentaire, vaut mieux le prendre à travers une pharmacie. Mais ce qu'on recommande normalement, avant de prendre un complément alimentaire, on sait que le complément, une alimentation qui est bien équilibrée et qui est bien faite, je pense que ça peut suffire en général. S'il y a des carences, le médecin peut vous prescrire un complément, mais c'est sous la supervision du médecin. يعني الا كنتي كتاكل مزيان و كت 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 عندك التغذيه ديالك كامله ما غتحتاجش الاكثريه ديال الوقت ما غتحتاجش للكومبليمون. وفي حاله الا احتاجيتي كيكون عندك واحد النقص ديال واحد الماده غتلتجئ للطبيب ديالك اللي هو اللي غيدير لك دونك هذاك غيقيد لك هذاك لو كومبليمون وغتاخذو من لا فارماسي غتكون شويه محمي. D'accord? Donc moi ce que je recommanderais pour les compléments alimentaires, donc avoir une alimentation équilibrée, yani ce qu'on dit avec le mutawazin, discuter avec mon médecin concernant un complément que je veux prendre. Donc خص ضروري لو ميديسان ديالك يكون على علم انك باغي تاخذ واحد لو كومبليمون هو غينصحك واش يمكن لك تاخذه ولا ما يمكنلكش تاخذه. رونونسي او كوموند سور انترنيت توت كوموند سور انترنيت او سور ان سيركوي لي ما معروفش كي هي انكونو اي فو ميو رونونسي باسكو فو بوفي اتر بيجي بار سي كوموند. Donc la prise du complément alimentaire, il est préférable qu'elle soit prise de la pharmacie, une pharmacie, et en prenant le complément, vérifiez si vous êtes en capacité de vérifier sur la notice ou bien sur le prospectus du complément alimentaire
comme quoi il n'y a pas de matière qui est, ou bien de substance qui est interdite. يعني نحاول نقلب في داك لو كومبليمون بانه كاين ما كاينش ماده محظوره في ديك لا ليست ديال لاجونس مونديال اونتي دوباج. شكرا بزاف دكتور ماريا، هادشي اللي كتقولي مهم بزاف. يعني الا بغيت ندير واحد الخلاصه وهي الكومبليمون اليمونتير يعني ما عندوش شي بروف سيونتيفيك بانه كي اميليوري لا بيرفورمانس ديال السبورت ويقدر يكون خطير على الصحه ديال السبورتيف ويقدر يكون فيه دي برودوي دوبون. ونزيد واحد الحاجه، الثمن حتى الاثمنه ديال لي برودوي ولا لي كومبليمون اليمونتير سون شير. دونك كما كان التغذيه l'alimentation qui couvre les besoins énergétiques du sportif ou que ce soit un complément alimentaire, reçoit en concertation avec le médecin. Merci beaucoup, Dr. Maria. Dr. Rim, peut-être vous avez des choses à rajouter par rapport à cette histoire de complément alimentaire. Est-ce que vous faites, donc, quand vous faites de la sensibilisation, par exemple avec le RAD, est-ce que vous faites de la sensibilisation par rapport au complément alimentaire également? Oui, bien sûr, ça rentre dans nos objectifs aussi de parler des compléments alimentaires. Je vais juste rajouter quelques petits points à ce qu'a dit Dr. Windy. C'est qu'effectivement, avec une alimentation qui est équilibrée, on n'a pas besoin de prendre de compléments alimentaires parce que n'importe comment, on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il pourrait y toujours y avoir quelques traces de produits ou de substances interdites non déclarées sur l'étiquette. Donc, il faut faire très, très attention. Il ne faut pas s'aventurer. Et je reviendrai sur un point important. Si nous avons des sportifs qui sont en train de nous voir, vous serez et vous resterez toujours responsable de ce que vous prenez et ce que vous ingérez. Donc, n'importe comment, c'est vous le responsable. Vous serez sanctionné, donc faites attention avant de prendre quoi que ce soit. Et aussi, toujours se référer à son médecin. Si vous n'avez pas de médecin propre à vous, allez voir les médecins des fédérations. Merci beaucoup, Dr. Rim. Je vais prendre une question des participants. Les compléments alimentaires en poudre qui contient B1, B2 et jusqu'à B6 et les sels minéraux, est-ce que c'est bon pour le travail de l'endurance et la santé en général? Les compléments alimentaires en poudre qui contiennent B1, B2, etc. jusqu'à B6 et les sels minéraux, est-ce que c'est bon pour le travail si je veux améliorer l'endurance et pour la santé en général? C'est, je dirais, l'association Odyssée Pédestre qui pose la question. Bah écoutez, je pense que excusez-moi, docteur Maria, mais je vais juste rappeler ce qui est très important que docteur Rim a dit à la fin, la responsabilité stricte qu'a l'athlète de ce qu'il ingère, et à savoir qu'on ne peut jamais se fier, en matière de prévention, ce qu'on dit aux athlètes, c'est qu'on ne peut jamais se fier à ce qu'il y a sur les étiquettes, parce voilà. Que justement, il n'y a pas de règlement international concernant les compléments alimentaires. Donc, gardez ça en tête. Et encore une fois, vous venez d'un très beau pays où il y a tous les fruits et légumes qui sont disponibles. Il y a tout dans l'alimentation. Donc, chercher par des moyens détournés à trouver un certain réconfort, il faut que ce soit sous le cadre médical, bien entendu, mais encore répéter aux athlètes, ne pas se fier à ça. Pour exemple, il y a quelques années en arrière, le complément alimentaire qui était le plus vendu en deuxième position aux États-Unis contenait des traces de crack et de cocaïne. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et l'athlète, vous serez toujours responsable à la fin de ce que vous avez ingéré. Kadi, s'il te plaît, quand tu étais athlète de haut niveau, est-ce que tu as utilisé des compléments alimentaires? Non, vraiment, très, très, très rarement. Moi, justement, je faisais de l'anémie. Alors, ça réfère à cette question, je faisais de l'anémie, donc j'avais besoin de vitamine B et de fer, docteur Maria, elle voit. Je faisais de l'anémie quand j'étais athlète, mais vraiment, c'était cadré et c'était pour un moment donné. C'était un mois ou deux de traitement, c'était pas un traitement dans la durée, etc. Je pense que ce qu'un athlète doit avoir comme réflexe, et ça, c'est en collaboration aussi hein, avec les pharmacies, avec tout ce qui entoure l'athlète, c'est de se poser la question, est-ce que je dois prendre ça? Vraiment, hein, est-ce que je ne vais pas demander à plusieurs personnes, mon coach, mon docteur, je vais vérifier, revérifier, je vais demander. Parce que si vous êtes athlète de haut niveau, et encore une fois, donc on parlait de groupe cible, si vous avez la chance, parce que c'est une chance, hein, une fois que vous êtes dans un groupe cible, c'est que vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs. Vous avez cette responsabilité-là de connaître vos obligations, mais aussi vos droits,
en matière de lutte antidopage. Et pour un athlète, ça commence par qu'est-ce que je prends et comment je le prends et se poser cette question-là parce que vous allez être responsable à la fin. Merci beaucoup, Kadi. Alors, dans le cadre de tout ce que je prends, il y a les compléments alimentaires, il y a aussi les boissons énergisantes ou qui donnent de l'énergie. Boissons colorées avec plein de couleurs. Docteur Maria, est-ce que c'est comme les compléments alimentaires, il n'y a pas, je dirais, scientifiquement une preuve tangible que ça participe à l'amélioration de la performance ou est-ce que c'est différent? Quel est ton point de vue là-dessus? Là, je rejoins toujours les boissons énergisantes. Donc, ce sont des boissons qui sont destinées à donner un regain d'énergie. Elles sont en plus destinées aux jeunes actuellement. Donc, il y a beaucoup de gens qui en consomment. Je pense que les sportifs n'en consomment pas beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir sur les boissons énergisantes, c'est que normalement, ces boissons énergisantes, elles contiennent beaucoup de produits, notamment de la caféine, notamment de la taurine, il y a certaines vitamines, et il y a la carnitine et la créatine. Et ces produits ne sont pas dénués aussi elles ne sont pas dénuées donc, d'impact sur le plan sanitaire. D'accord. Donc, comme vous le connaissez, la caféine, donc une grande quantité de caféine peut impacter la santé, notamment sur le plan cardiaque. Effectivement, pour la taurine aussi. Donc, si vous voulez passer la slide, je peux vous poser quelles sont les conséquences de ces boissons énergisantes qui manquent déjà comme la boisson énergisante. Yani, il y a mad dali fiha bzaf dial el mawad ou qui est utilisée pour regagner de l'énergie. On a fait un chimawad li hiya tqdar tdi عندها اضرار على الصحه. Donc les effets de boissons énergisantes, donc ça peut se répercuter sur le effet neurocomportemental. Ça peut donner des céphalées. Quand on consomme beaucoup de boissons énergisantes, on commence à avoir des céphalées si on n'en consomme pas. Ça peut nous donner donc aussi, sur le plan digestif, des nausées et des vomissements. Sur le plan, par exemple, au niveau de la bouche, puisqu'elles sont trop sucrées, ça peut être source de caries, beaucoup de caries dentaires. Donc, sur l'effet respiratoire, ça peut donner donc des bronchodilatations. Comme j'ai dit, la caféine et aussi la taurine, ça peut se répercuter sur le cœur, ça donne des troubles sur le plan cardiaque, ça fait les tachycardies, sur le plan donc digestif, donc vomissement et des douleurs abdominales. Puisqu'il y a beaucoup de sucre, ça peut déshydrater, et ça peut aussi donner des hypoglycémies. Donc, comme on avait dit, ces boissons énergisantes, elles sont le plus souvent déconseillées, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de sucre et beaucoup de substances qui impactent sur la santé. Donc, t'as la quantité, même la quantité qu'il y a au niveau de ces boissons énergisantes, notamment la caféine, elle est énorme. On peut avoir donc à peu près 140 selon la marque. Il y a 140 mg ou bien 80 mg. En tous les cas, c'est des doses qui sont un peu excessives. Merci beaucoup, Dr Maria. C'est très clair, c'est très précis. Et je rappelle à tous les participants qu'ils peuvent retrouver vos présentations sur le site du Comité national olympique. Ils peuvent les télécharger et je les invite à les télécharger et à partager ce savoir avec d'autres. Plus on apprend ensemble et collectivement, plus on va progresser. Nous arrivons à la fin de notre émission, notre table ronde virtuelle autour de la lutte antidopage et les compléments alimentaires. Je voudrais vous dire un grand merci, mais avant, je voudrais vous redonner la parole pour un mot de la fin, une conclusion, et commencer peut-être par notre invité qui vient de loin, Kadi. À toi la parole. Oui. Je vais vous remercier vraiment pour cette session très instructive et aussi mes consoeurs. Et puis, rappeler donc que le 10 avril, c'est la journée Playthrough, c'est jouer franc pour tous les athlètes qui souhaitent vraiment soutenir la lutte contre le dopage et puis prendre part avec nous. Je fais partie de la commission des athlètes de l'AMA également. Donc, l'AMA donc a aussi publié dernièrement, et ce sera inclus dans le nouveau code, la charte du droit des athlètes par rapport à l'antidopage qui sera disponible dans ma présentation. Je vous invite à la lire, aux athlètes qui sont en ligne, aussi aux responsables des athlètes, tout l'entourage, à prendre connaissance de cette charte. Qui prend en compte donc tous les droits, mais aussi les responsabilités des athlètes.
Je vous demande aussi pour les athlètes qui ont des questions à bien vouloir contacter la commission des athlètes de l'AMA aussi. Donc l'adresse, tout est contenu dans ma présentation. Et puis j'attends donc de vos messages le 10 avril pour la journée Jouer Franc tous les ans. Et puis merci beaucoup pour cette plateforme et continuons à travailler ensemble en Afrique et à éduquer les athlètes pour vraiment les aider pendant leur carrière et vraiment les aider aussi à lutter contre cette tragédie qui est le dopage dans le sport. Merci. Merci beaucoup, Kadi. Docteur Rim. Oui, à mon tour, je remercie le CNOM, je remercie les intervenantes aussi. Et je voudrais aussi dire aux fédérations, je les invite à s'adhérer au programme national d'éducation proposé par le CNOM en partenariat avec l'ORAD. Et de demander à faire des séances de sensibilisation, de parler aux sportifs, et de continuer à lutter et lutter contre ce fléau qui est le dopage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Lim. Merci pour votre participation. Docteur Maria, un mot de la fin. Donc, à mon tour de remercier le comité olympique de nous avoir associés à cette vidéoconférence. Donc, pour moi, j'ai une doléance pour les sportifs, et je vais parler en arabe, surtout pour nos sportifs marocains. Donc, l'Iran colle l'riadine d'Yana, ou Annaho, et Haoulou, mais Samlou, et Tamadda, il a Massoulou, je t'avais dit à l'homme. يحاولوا ما يستعملوش المواد بحال دابا الا كيقولوا ياخذوا المواد التكميليه هاد التكميليه اولا لي كومبليمون اليمونتير يحاولوا ما يستعملوهمش مده طويله وكما كنقولوا نقدروا نقولوا ايضا الرياضيين فكروا انهم عندهم حقوق وكاين شي حوايج كنقولوا عليهم وليهم دونك هي دي ديفوار اي هي دي كومون دير هي ان ديفوار اي هي ان دووا Donc, en tant que sportif, vous avez été sélectionné pour être contrôlé. Donc, la procédure de contrôle, package, ce qu'on appelle le prélèvement direct, عندك الحق دير دي زوبسيرفاسيون منين في داك لا بروسيدور دو كونترول عيطنا لك باش نكونتروليوك شي حاجه ما عجباتكش قبل ما تسد لا بروسيدور دو كونترول vous pouvez faire des vous pouvez formuler vos observations عندك شي ملاحظه ديرها في داك لو فورمولير et vous êtes en droit de demander donc après avoir été contrôlé ou tsniti le formulaire d'avoir un exemplaire du formulaire ديالك هادو هما الحقوق ديالك انت كرياضي des devoirs. Donc, ni le contrôle, vous devez vous soumettre obligatoirement. Yani khassek tjawab ou djil dak le contrôle. Sinon, il ma jitiliech aaf bi annak ra bhal la rak contrôlé positif. Tanyen, donc sa3a li qalna lk khassek tji fiha, donc khassek tahtarma. Et en même temps, tu as un devoir bhal dabant ta athlète wakha imma rajl imma mra. Donc les agents de contrôle ra kaykoun imma rajl maak imma mra, andou l haqq yhdar maak. Donc le prélèvement dialk, yani ni katkoun katfourni dak l bawl dialk awla, tu es en train de uriner. Donc l'agent de contrôle, le médecin qui vous contrôle, il a le droit de vous assister. Donc c'est ce que je devais passer comme message pour les sportifs. Et soyez attentifs et soyez vigilants. Les sportifs, لأنه تقدروا طيحوا في دي بياج notamment بهاد لي برودوي دوبون. Donc avant d'utiliser n'importe quel produit, signalez à votre médecin, demandez l'information avant d'utiliser. Et merci. Merci à vous, mesdames, au nom de tous les participants, au nom des membres du Comité national olympique marocain, un grand merci. Shukran. Merci à vous. Un grand merci à tous les participants, que ce soit au Maroc, en Afrique, en Martinique, un clin d'œil à Michel Destin, en Europe et un peu partout dans le monde. Maintenant, nos visioconférences sont suivies. Merci à vous. Et à très bientôt pour d'autres aventures, pour d'autres visioconférences encore aussi intéressantes que celles qui sont déjà passées. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.